dans ce 31e épisode de Total War Warhammer 2 avec la fée enchanteresse. Nous étions restés au dernier épisode avec l'arrivée imminente du chaos, en tout cas des troupes chaotiques par le sud, donc une qui remonte dangereusement vers l'Attilée. Celle-là va sûrement attaquer Myrmidens, donc on a dépêché une armée ici pour essayer de prêter main forte. Elle va sûrement débarquer sur le territoire Peau Verte, donc plus au niveau des elfes sylvains, j'espère en tout cas. On avait conquis Barakvar à l'est, et on se dirigeait vers Dok Karaz, en espérant qu'on ne soit pas fait une petite erreur de déplacement ici avec la fée enchanteresse, qui est, on va dire, isolée pour le moment. Et en plus, on ne peut pas, en pire, on la rapatriera. Ici on avait dépêché aussi deux armées pour aller, alors qu'ils sont assez loin, hein. On a celle-ci donc qui est full, et puis bah, elle aussi, donc deux armées de hautières, donc nos deux plus grosses armées pour le moment, qui vont être chargées d'aller prêter main forte à l'Empire qui s'est pris une déculottée monumentale à deux armées contre une ennemie, entre guillemets, plus deux armées plus une garnison, parce que Shordafan leur appartenait au dernier tour, donc déculottée monumentale, et on va essayer d'aller du coup récupérer tout ça. Et on va dire en finir avec l'écho de vampire et cette corruption vampirique pour remonter vers la corruption chaotique et du coup le chaos qui est ici, qui apparaît enfin pour la première fois dans ce let's play en version, la vraie version du chaos quoi, les guerriers du chaos, donc qui ont commencé à tout corrompre par ici, donc voilà, ça va bouger. Ici, on a deux armées de l'Empire qui auraient mieux fait d'être au sud que d'être au nord pour l'instant, même si pour l'instant elles sont chargées de protéger le chaos. Voilà, donc voilà pour ce tour-là. On va passer du coup le tour. Et on va regarder ce qui se passe. Donc elle a pris un court recruteur. Bon, c'est pas trop le but. Le but, c'est qu'elle reprenne des niveaux petit à petit. Les nains, qu'est-ce qu'ils nous veulent, les nains? Ils veulent un accord commercial. Et en plus, ils nous payent pour ça. Mais c'est avec grand plaisir, messieurs les nains. Je savais même pas que j'avais pas d'accord commercial avec vous, autrement ça aurait fait longtemps que je l'aurais... Ah, on pouvait pas en avoir parce qu'on n'était pas frontalier. Allez, donc les peaux vertes qui ont pris un grand coup aussi derrière la tête. Donc là, ils essayent désespérément de recruter à Dok Karaz, mais il n'y a pas la même garnison à Dok Karaz qu'il y avait à Barakvar. Donc je vais voir ce qu'on va faire, hein. Je pense qu'on va peut-être raser. Plutôt que... Enfin, le problème c'est que raser avec la Bretonnie, c'est pas une bonne idée. Le problème c'est l'ordre public qui m'inquiète, alors à moins de partir sur des bâtiments d'ordre public en priorité. Et booster l'ordre public aux alentours petit à petit avec les provinces que l'on recrute, enfin que l'on conquiert. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein, à la sortie, mais... En plus, si notre accord commercial peut booster un peu les nains et leur permettre de recruter encore un peu plus, on va pas se priver. Bon, eux, ils vont vouloir encore une alliance. Non, toujours pas. J'hésitais un peu, mais non, on reste fidèle à nos principes. Donc les gars du chaos, on verra ce qu'ils vont faire juste après. Ok, donc ici, ils vont attaquer Myrmidens, on s'en doutait. L'épée de Kane a été récupérée. Vous, la technologie, on s'en tape un peu. Les vents de douleur, ça c'est cool. Donc ça très bien, échec. Ils ont bloqué notre armée, donc ça c'est un peu moins bien. Donc du coup... Ici, on va aller là, même s'ils vont être épuisés. Et
Ah ouais. Suis pas d'accord. On va voir. On va peut-être se faire casser la bouche. Ça m'inquiéterait quand même. Ils ont des bonnes unités, mais bon. J'espère quand même qu'on va arriver à leur faire quelques dégâts. J'espère que nos deux armées vont pas commencer l'une derrière l'autre. Enfin, l'une à l'opposé de l'autre plutôt. Est-ce que ça va encore séparer notre front en deux? Trois cavaleries en tripolitiques vont nous saouler. Ok, donc c'est bien. Elle commence derrière. On va pouvoir préparer du coup. En plus, il n'y a qu'un seul canon apocalypse, donc c'est nickel. On n'a pas d'unité volante. Pas grave. Nous aussi on a un trébuchet qu'on va mettre ici. L'autre ligne d'archer, on va la mettre là. Nos unités de lanciers sur les côtés. Avec une troisième ici. Pour l'instant, toi on va te mettre au milieu, mais bon, ça va pas être le but. Toi, très rapide, tant mieux, tu vas te mettre. Vous allez vous mettre là. Et vous là, pour l'instant. L'anti. C'est que de l'anti-infanterie. Non, l'anti-large, c'est bien ce qui me semblait. Donc l'anti-large. On va te laisser là au cas où. Et l'anti-infanterie, on va te mettre là plutôt pour le moment. Et toi, ici. Pour le moment, on va faire comme ça. On va mettre pause. On va reculer tout ça. Hop. On accélère un tout petit peu. Ok. Alors, hop. On va attendre un peu. Donc ça va être notre première ligne, bien sûr. Du coup, vous allez vous mettre comme ça. Vous dépêchez-vous quand même. Hop, ici. Vous, anti-large. Alors qu'est-ce qu'ils ont du coup? Ça arrive sur nous, cavalier maraudeur, donc ça c'est l'artillerie. Ok. Ça, encore de l'artillerie, des chars, chevaliers, chevaliers. Ok, donc vous allez plutôt venir. On va mobiliser deux ici. Un. Ici. Vous allez être groupe 2. Vous allez vous mettre comme ça. Vous allez venir là. Vous. Groupe 1. Vous allez venir comme ça. Pour l'instant. Vous allez venir aussi prêter main forte de ce côté-là. Vous, on vous laisse là. Vous, normalement, c'est bon. Vous, c'est bon. Vous, c'est bon. Vous, c'est bon. Ok. Toi, ici. On n'a pas de demoiselle. Ouais. Alors, je suis en train de penser, en fait, à la limite, ceux-là, vous allez rester là pour l'instant parce que ça va les attirer, eux. Il faut qu'on les crible de flèches. Donc toi, ok, les trébuchés, donc tu vas quand même loin d'eux. Bon, c'est de muter cela. Allez, plutôt ça là. Voilà, donc là on va les faire fuir. Ils vont nous harceler un petit peu, mais ils vont prendre cher. Reculer tout ça. Ok. Allez, vous, ici. Ok, chevalier du chaos ici. Allez.
Alors, on met pause. Ici. Donc on a des cavaliers maraudeurs, des chars du chaos. Donc tout ça, vous allez venir ici, ici. Ici, vous allez venir en soutien, même si vous n'allez pas servir à grand-chose. Vous, ici, ici, ici. Là, on est pas mal. Vous, ici. Sur les trolls. Et là, on attend le reste. Donc là, voilà, pour l'instant, on va le faire sur cela. Ils vont prendre cher. Ici, c'est de l'anti-infanterie. Parfait. Voilà, la limite, essayez de venir là-dessus. Vous venez en soutien. Vous allez venir comme ça. Bon, au pire, il y en a une qui va rentrer dedans, c'est pas grave. On va vous enlever le mode fuite. Allez, hop. Allez, hop. Parfait. Vous. Allez, attaquez-moi ça. Vous. Vous allez là-dessus. Allez, vous continuez comme ça. Continuez comme ça. Toi là-dessus. Toi là. Allez, vous. Vous allez me charger ça. Allez, parfait. Vous, vous allez revenir là. Vous, vous allez assister ici. Allez, 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 allez. Vous allez revenir là. Vous allez me faire une charge ici. Les chevaliers du chaos nous font mal. Hein. Allez, 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 allez. Comment c'est que vous êtes pas en formation? Vous allez vous mettre en formation. Et vous, vous allez venir ici. Allez. Vous me chargez tout ça par derrière, voilà. À la limite, vous, portez-moi une charge aussi par derrière. Parfait. Allez, vous allez me faire une charge ici maintenant. Donc vous essayez de... Voilà, parfait, mettez-le au cac. Faites-les fuir. Parfait, et vous allez me charger ici. Parfait. Vous allez booster ça. Parfait. Ici, on l'a remporté. Parfait ici. Vous allez venir ici sur les cavaliers maraudeurs. Vous ici. Allez, parfait. Toi ici. Vous ici. Toi, reviens ici. Comme ça, vous, ici. Faites-les-moi partir en déroute. Allez, revenez une petite charge sur les chevaliers du chaos ici. Donc là, c'est bien, vous les avez fait fuir jusqu'au bout. Vous allez venir ici. Allez, hop. Vous allez me charger ici. Est-ce que j'ai encore de l'anti-large qui est dispo? Allez, revenez là-dessus, voilà, on fait fuir les chevaliers du chaos, c'est parfait. Parfait. Est-ce que vous arrivez à les intercepter, eux? Donc là, essayez de me les finir, les chevaliers du chaos, ça serait cool. Vous continuez à tirer là-dessus. Bon, vous, de toute façon, c'est fini, je pense. Vous voyez limite, attaquez-moi le dernier char.
Ouais, non, ils sont trop lents. On aura quand même bien fait des dégâts si on pouvait péter le dernier char. Allez. Ah, mais c'est pas un char, c'est les chevaliers. D'accord, c'est. Et ben, vous, à la limite, hein, venez tous là. Hein. On va essayer de les finir. Allez, hop. Allez, on les finit. Bon, ils s'en relèveront pas de toute façon. Parfait. Allez, hop. Bon, bah, du coup, on l'a gagné. Chevalier du Chaos nous ont fait beaucoup de dégâts. Hein. Ce qui est normal. Mais finalement avec des unités de tier 1. Nous aussi on a fait le taf. Donc ça fera une armée presque en moins. On va pouvoir se remettre dans la garnison avec. On va pouvoir se remettre dans la ville directement. Serait-ce le frère de Marie Beaumont, Arthur Beaumont? S'il y a des fadas de l'or, est-ce que déjà les Beaumont sont bien une famille du lore de la Bretonnie? Ou est-ce que c'est un. Ou est-ce que c'est un nom comme ça? Alors, hop, bonus de commandement. Voilà. On va se remettre dans la ville. On va améliorer la garnison au cas où. Ici, ils ont fait le café. Donc là, on va subir. J'espère juste que ça va pas être sur Tobaro. Donc on va continuer notre recrutement ici. Avec des pèlerins de bataille. Donc on a deux anti-larges, ben comme ça, hein. Hop, ma foi. Ici, on a de quoi prendre la ferme niveau 3 aussi. Donc là, on s'est fait bloquer, hein. C'est bien ça. Bon, on peut quand même aller les. Non, on peut pas. On va se mettre en mode embuscade ici. Bon, avec elle on peut, avec lui on peut. Donc on va y aller. Voilà, on va se la faire en auto. On va l'occuper. On a la bénédiction de la dame, donc nickel. Donc ici, on va enlever ça. On a le bâtiment d'ordre public dans la province, donc ça c'est tant mieux. Notre louant a pris encore un niveau. On va lui donner le ralliement. Et après on partira sur. Sur ça. Notre Hélène Mercier, cette fois, on va lui prendre le conduit arcanique. Ici, dans un niveau, donc on a nos autres unités de renom qui vont arriver. On va partir là-dessus. Autorité plus 2 dans la province locale. On va partir sur l'attaque éclair. Soit on va donner l'attaque dévastatrice. Ensuite, ça. Donc qui peut au rang 5. On va donner de la magie du coup. Hein. On va donner de la magie puisque pour l'instant tu peux rien avoir d'autre. Ok, ici. On y va. Hop. Ici. Pareil, on est full régène. Alors juste pas qu'on se fasse avoir par des unités du chaos qui descendraient. Donc eux ils ont fait quoi? Ils sont mis ici. Ok, allez. Donc parfait. Normalement on craint pas grand chose ici. Lyonnaise, on a dit qu'on allait améliorer ça. Pour l'instant. Au pire on a cette armée là. Et lui. Lui je vais aller le remonter au. Ici ça va être mon recruteur. Ça va être mon recruteur d'unités de. Qui sont pour l'instant trop loin pour que je puisse les recruter ailleurs. Donc là il va falloir faire attention, on va construire je pense le bâtiment d'ordre public. J'ai pas envie de gérer une rébellion ici.
Vous, ce qui serait bien, non, ça serait qu'on reste comme ça. Vous voulez pas aller récupérer ça, les nains? Ce serait cool. Donc on va rester comme ça. Du coup, dans 3 tours, on n'a plus d'usure. Donc on ira partir. On va partir sur Barak d'Awazbag. Et après, on aura une belle bataille au pic noir. Juste en dessous. Donc on va continuer. Alors, ah, j'ai pas mis en mode vitesse, donc on n'a pas pu voir ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que. Qu'il n'y a rien, qu'il s'est rien passé de spécial. Alors, qu'est-ce qui nous veut, Nagarit? Une alliance défensive, avec grand plaisir. On est ses premiers alliés. Ah non, il a une alliance militaire avec aussi avec Exalt, ok. Bon, il n'est pas allié avec Lothern. Je vais regarder après aussi nos objectifs de campagne, mine de rien. Savoir sur quoi il faut qu'on aille pour qu'on gagne cette partie. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut battre Archaon. Je suis assez déçu quand même j'ai pas l'impression. Alors, soit c'est moi qui connais pas assez la Bretonie ou pas. Mais on n'a pas eu de mission et de quête avec la fée enchanteresse, ni avec Louan, ni avec personne. Je suis assez déçu. Alors, est-ce que les quêtes se lancent une fois qu'on a battu le chaos ou pas? On n'a qu'un item légendaire avec la fée. Si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Du coup, ici, de toute façon, j'ai dit, on va partir full là-dessus pour l'instant. Garnison plus ordre public à fond. Donc là, on est full régène. Ok, donc eux, ils vont aller attaquer ici. On va partir sur le rocher de fer de toute façon. Pas trop de garnison rocher de fer. Toi, tu vas rester là de toute façon pour te. Non, ça, pas ici. Toi, tu vas venir ici du coup. Toi, tu vas revenir là. Tu vas te régénérer. Donc, toi, tu restes là pour le moment. En combien de trucs il te faut? Ouais, du coup, on va peut-être te mettre en face. Tu me dis, on a. Mais pourquoi ça m'a pas pris le bizarre, donc on était à 3 tours aussi tout à l'heure. Allez, on va monter, c'est pas grave, on va voir le prochain tour, j'espère que ça marchera. Allez Albéric, tu continues. Pareil. On a 9000 de thunes ici, on va monter ça. Toi, tu reviens là. Artois, on peut rien faire de plus. Lyonnaise, on peut passer ça à niveau 3. Ça nous réduira toujours les entretiens. Ça, on est bon. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ici? Ok, pas grand-chose. On va pouvoir finir, je pense. Ok, même si on perd, c'est pas grave si on perd l'unité. Hop! Prend le commandement, nickel, il nous a pris un niveau. Putain, je peux pas encore. Hein. On va lui prendre ça. Hop, on se remet là. Toi, bah toi, tu. D'accord, ils se sont fait démonter. Ils se sont fait déboîter, tant mieux. Du coup, ça nous laisse notre front ici complètement inutile en fait. Après, t'es niveau 8, tu vas passer là-dessus.
Du coup, bah, tu sais quoi? En attendant, on va faire passer là-dessus, comme tu peux les recruter. Hop, on en rencontrera le prochain tour. Et après, on t'enverra porter assistance. Allez, on passe le tour. Prochain tour, on fera notre petit point diplomatique de l'épisode. Alors, est-ce qu'ils vont prendre. Non, pas encore. Ils doivent être en train d'assiéger. Ils ont échoué à bloquer notre armée, tant mieux. Là, le problème pour nos ennemis, entre guillemets, dans le déroulement du let's play, c'est que l'Empire a bien géré. Ah, allez, petite alliance militaire, voilà. Donc nos alliés, en fait, sont les puissances les plus importantes du jeu, hein. Exoalt, Lotherne, l'Empire, les nains, et nous, la Bretonnie, qui sommes pas dégueulasses non plus. Et les factions ennemies se sont fait ravager. On a cherché notre alliance avec Lotherne depuis pas mal d'épisodes de Let's Play. C'est eux qui sont venus tout seuls. Qui sont venus tout seuls nous la demander. Ça c'est bien. Alors. Du coup, maintenant qu'on a la vue sur Lotherne. On va pouvoir voir. Le chaos? Non. Ah tiens, Scarogne, on peut passer la vie niveau 4. Alors, maintenant qu'on a la visu sur Lotherne, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Lotherne? Ils sont pas tant étendus que ça, hein. Ils sont pas du tout tant étendus que ça. Est-ce qu'on peut leur. Non, on peut pas prendre l'alliance militaire avec eux. Est-ce qu'avec l'Exoalt on peut. Avec l'Exoalt on a l'air d'être pas mal, hein. Non, et l'alliance défensive? Oui, ils la veulent. On n'a pas encore visé sur leur terre, mais ça ne devrait tarder. Du coup, Nagaronde qui est retranché tout au nord, c'est cool. Allez, donc nous, du coup, on continue ici. Toi, tu vas me prendre ça. Hop, pareil, toi, tu vas bouger. On va faire une bête petite bataille à Schwarzhafen. Ici, on va aller prendre le rocher de fer du coup. Alors, hop. On va se mettre à 30%. Au cas où, on va se mettre en mode embuscade. Toi, tu m'as l'air d'être ok. D'accord, donc Lua en fait n'a pas la. N'aura pas. Est-ce que ça vient de ça? Non. Ça vient de quoi le fait qu'il n'ait pas l'usure? Bon. Tant mieux. Ok là-dessus. Donc toi, prochain tour, t'es full régène. Toi. Est-ce que tu me sers à quelque chose? Pas grand-chose, mais on va. Enfin, tu sers plus. On va te laisser comme ça. Là, on a à attendre. Prochain tour, du coup. On a la technologie. Ici, on n'a rien de plus à faire, mais on va passer le tour. Hein. Ah, si on avait le recrutement à faire avec lui. On va continuer. Le problème là, c'est que nos centres de recrutement sont trop loin en fait. Pour pouvoir actualiser nos armées principales. Et j'ai pas envie de faire des allers-retours sur toute la carte, donc je pense qu'on va faire recruter celui-là et on va aller le faire changer les unités. Enfin, quoi que ça va me coûter trop cher en entretien, donc il va falloir attendre un peu.
Allez, on a dit quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, là, à la fin du tour, on regarde les objectifs. Enfin, ce qu'il nous demande, on fera aussi un point sur savoir où est le chaos, savoir si on voit Archaon. De toute façon, on va avoir un repop hein, des. On va avoir un repop du chaos dans pas longtemps, je pense. Ok, donc du coup, c'est nickel. Alors, en Gasconie, bah dis donc. De toute façon, on a largement de quoi se défendre. Ouais, enfin, quoi que c'est une unité niveau 3. Bizarre que je sois comme ça. Autorité moins 1, y a pas quelque chose qui fait de l'autorité plus 1 là. Intelligent, je crois pas. Non. Ça non, ça non, ça non, non plus. On va recruter un paladin du coup. Lui, avec un coup de chance, il pourra prendre des niveaux. Donc on va lui faire recruter 2-3 trucs. J'ai peur que de ce qui va pop en fait. J'ai peur de ce qui va apparaître. On va lui prendre des écuyers à pied. On va lui en prendre 4. Qu'est-ce qu'il y a du coup de base? Il y a quand même assez d'archers. Il nous manque quoi? Il nous manque de l'anti-infanterie. Donc on va prendre ça. Comme ça. Hop. Ok, donc toi tu restes là pour l'instant. Toi, sur le rocher de fer. Tu prends le rocher de fer. Ok, donc tu vas m'enlever ça, tu vas m'enlever ça. Tu vas prendre des niveaux, ça y a pas de souci. Caserne, non, recrutable. Ça peut être pas mal pour la suite. Hein. Hop, ça. Toi, tu vas prendre encore des points de vie. Ok, donc on en est là. On va regarder les objectifs de campagne. Donc, du coup, c'est ce que je voulais voir. La guerre sainte. Atteindre 1200. Mais d'accord, faut qu'on atteigne 1200. Mais du coup, mais c'est ça. Je crois que c'est des quêtes qui vont se lancer au bout d'un moment après. Beaucoup de voir la bâtonnier. Ok. Et là, atteindre 2000 de chevalerie en condition de victoire. Ah d'accord, donc la guerre sainte 2. Donc deuxième épisode, effectivement, faut atteindre 1200 de chevalerie. Ah oui, d'accord. Voilà. On est encore loin. Donc on va éviter de raser et de piller. Et après, il faut atteindre 2000 pour que pour qu'on gagne. Et qu'on termine la bataille contre la guerre sainte. Ok. Ok. Bah, ma foi, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. On va toujours se rapprocher ici. Alors ok, donc ils ont attaqué Schwarzhafen, donc on va faire une belle bataille au château de Drakenhof, je pense. Avec l'Empire en allié. Est-ce que Archaon. Non, Archaon normalement une systématique quand il est là. Putain, l'Empire, ils ont une quantité d'armées. Une autre armée du chaos ici. Ok. Ah, ils ont confédéré tout l'Auvergne. Est-ce qu'ils sont ok pour une alliance militaire? Non. On sait jamais. Enfin, on va s'attendre à notre économie là parce que du coup on a recruté pas mal de petites armées qui servent pas à grand chose. Donc là on a une zone de recrutement qui commence à être énorme. On a juste ce bâtiment là à passer niveau 5 et on est pas mal du tout. Donc toi ici t'es full maintenant et tu vas pas prendre de. Voilà, tu prends plus de malus. Ok, donc là les. Ok, donc nous faut qu'on fasse, faut qu'on descende vers le pic noir. Hein. Faut qu'on descende vers le pic noir. Et là par contre, grosse garnison avec des orques noirs. Ça va être une belle bataille. Toi, du coup ici, tu vas me recruter. De toute façon, tu vas me recruter que ça pour l'instant. Technologie, ici. Chevalerie plus 3, donc on va prendre ça. Ça va pousser notre chevalerie.
Ça aussi, il faudra qu'on le prenne aussi par la suite. Et le chaos, ça aussi, ça aurait été sympa. On verra. Hop. Donc la rébellion qui va pop ici. On va passer ce tour-là, puis on va rester cet épisode. C'est des orques. On verra ce qu'ils ont. Je pense pas que je puisse voir. Hein. Il me semble en plus que la bataille finale de mémoire, elle est assez compliquée. Elle est assez compliquée la bataille finale qui, je crois, de mémoire est contre les peaux vertes ou le chaos, un des deux, je m'en rappelle plus. Tant mieux. Ok. On va rentrer en guerre, donc on est en guerre contre les Norska. Donc alors, faut qu'on fasse attention à notre partie nord. Même si je pense qu'on est... Ah oh, ils font chier ces nains quand même. Hein. Parce que mine de rien... Mine de rien, ils font pas grand chose, hormis se faire casser la tête. La Khemri par contre a bien reconsolidé ici. Je pense. Cetra, tu veux une alliance militaire? Et eh ben j'ai bien envie de te dire oui, mine de rien, parce que tu t'es bien repris. Tu t'es bien repris, puis de toute façon on n'est pas. Les menaces de proximité sont pas. En plus tu me payes pour ça, donc on va dire oui. Oh, lui du coup il va pas être content. C'est normal. Mais il me fait pas peur. Les fameux nains qui veulent nous s'allier avec nous. Alors voilà, donc là c'est bien ce qui me semblait, il y a des orques noirs, il y a des unités de haut niveau. Donc on va vraiment avoir besoin de ça. Toi, du coup, tu vas me prendre le serment du chevalier, voilà, c'est ce que je voulais, que tu prennes des niveaux. Tu vas continuer à recruter, parce que du coup, on va avoir besoin de troupes. J'hésite même à... En fait, il n'y a qu'un tour. Franchement, en deux tours... Ça pour debuff les orques noirs, ça peut vraiment être pas mal. On va faire comme ça. Et puis bah, des pèlerins si on peut. On va rester comme ça. Histoire d'avoir une grosse armée. C'est pas qu'on le perde notre château. Toi ici, bah tu vas rien faire pour l'instant. Tu vas rien faire parce qu'il faut qu'on fasse attention à notre économie quand même, pas qu'on fasse les fous. Là, il n'y a pas d'armée du chaos directement. Ici, un rocher de fer. Il nous faut de la thune pour nos bâtiments. On a dit ordre public, c'est la prio, et puis de la thune. Voilà. Toi, tu vas continuer. Alors attention, c'est quoi ici? C'est Azag, avec une armée cette fois quand même tout de même assez équilibrée. Des orques noirs, donc ça peut faire une belle bataille ici d'ailleurs. On va... Donc un rocher de fer, qu'est-ce qui se passe? On a une petite garnison ici. On va se mettre en mode marche. Non, pas en mode marche. On va se mettre en mode comme ça. À 30%. On va se mettre en mode embuscade au cas où. Hop. Et on va rester cet épisode ici. J'espère que ça vous aura plu. Tiens, des hommes bêtes ici, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Ah, ils ont pop. Est-ce que juste voir s'ils ont pop par là? Non, ils ont pas pop par là, tant mieux. Donc on va s'arrêter là. Je souhaite à tous, comme d'habitude, une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et puis portez-vous bien.